De retour pour cette troisième heure, la Biatch Lana. Désolé, je suis obligé de dire ça. Parce qu'on ne trompe pas Rousset. Même s'il est accro au sexe et que lui aussi t'a trompé. Alors lui, c'est un salaud. Pourquoi vous vous trompez? Enfin bref, elle arrive sur le ring et dit qu'elle est ici pour se confesser. Son amour, Bobby Lashley. Non, ton amour, c'est Rousset. Point final. Ne voulait pas qu'elle en parle, mais elle va le faire. Elle n'a pas le choix. Comme dans le mock-up de Bebe, tout qui va, mais je ne vais pas spoiler. Vous allez voir vers la fin. Pour ceux qui ont le jeu, bien sûr. Oui, elle est une femme ravissante. Mais elle a des faiblesses. Mais dire la vérité n'en fait pas partie. La vérité est qu'elle a trompé Rousset. Mais pourquoi? Elle a dit qu'il ne faut pas la huer ou la juger. Ah bah si, il faut te huer, ma cocotte. Rousset l'a trompé en premier. Mais Rousset, toi aussi. Elle n'allait pas rester là et rien faire. Elle a eu du sexe avec Lashley pour la première fois il y a 7 semaines. Bien. Elle connaît bien la date car ça fait 7 semaines exactes. Leur anniversaire de sexe. Bientôt ça fait... Ah, ça fait un an que j'ai fait du sexe avec Bobby Lashley. Bref, c'est du beau sexe. Waouh, waouh, waouh. Lana dit que lundi dernier, Ricochet a frappé Lashley. Et Lashley a tombé sur lui. C'est à ce moment-là que les fans ont commencé à se moquer de cette chute. On ne pourra jamais comprendre, c'est une grande honte. Oh, l'archouma. Mais heureusement, son copain l'a soutenu afin d'aller voir un médecin. Le médecin lui a finalement dit que son dos va bien, son cou va bien, tout va bien. Elle est une femme heureuse qui a découvert par le médecin qu'elle est enceinte de 9 semaines. Ah bah en plus, t'es enceinte de Rousseff. Tu trompes ton homme alors que t'es enceinte de lui. Waouh, la logique. Logique WWE. Enfin bref. Elle va l'expliquer pour la classe sociale de Manchester qui n'est pas très intelligente et ne peut pas faire de mathématiques. Ah bon, je savais pas. Il y a 7 semaines, elle a eu du sexe avec Lashley. 7, hein? Elle a bien précisé, hein? 7 semaines. Mais enceinte de 9 semaines. Ce qui veut dire que le dépend au sexe. Rousseff lui a mis un petit dans le ventre. Ce fils de... Bulgare. Elle se sent déjà devenir plus grosse. Le plus gros... Elle sent déjà le petit bébé qui brise tout dans son ventre. La musique de Rousseff commence et il arrive sur le ring. Lana dit que nous avons le père fou de son futur enfant. Rousseff demande si elle est enceinte. Lana dit que oui. Rousseff voulait du sexe dans les toilettes, en pay-per-view, sur le tapis des valises et partout. Rousseff dit qu'il veut seulement comprendre l'histoire. Premièrement, il est un indépendant au sexe. Ensuite, un tricheur, maintenant Lana enceinte. Lana dit à Rousseff de regarder son ventre s'il ne le croit pas. Rousseff dit qu'il voit que Lana va encore une fois manipuler l'histoire. Les deux commencent à hurler. Lana commence à le gifler. Pa 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 comme ça. Mais Bobby Lashley arrive. Lana saute sur le dos de Rousseff pour le distraire et Lashley en profite pour le rouer de coups. Lashley et Lana vont ensuite s'embrasser sur la scène. Bravo. De retour, Eric Rowan arrive avec un sac. Eric Rowan face à un catcheur local. En fin de match, Rowan lui fait un chokeslam de la tête pour le compte de 3 et gagnant en moins de 2 minutes. Gagnant Eric Rowan. Après le combat, Rowan retourne en coulisses avec son sac. De retour, les catcheurs sont réunis pour ce second affrontement WWE contre NXT UK de la soirée. Mark Andrews et Flash Morgan Webster contre The Viking Riders. En fin de match, Andrew